sens le feu qui va se déverser sur toi, tu le sens ? Oui, je suis Michel Mélange, c'est moi qui joue le rôle de Dominique Cornetto dans ce nouveau volume de Pas long et pas content, 4 plus 5, ou 5 plus 4, ça dépend comment on le voit. Oui, on va faire de la voiture aujourd'hui les amanches, j'ai besoin de me défouler. Et donc pour mon petit quart d'heure thérapie avec vous, on va se faire un petit tour dans un jeu de voiture qui est bien connu, c'est un Need for Speed. Oh yeah. Oui, Need for Speed Most Wanted. J'ai pris soin de mettre une playlist copyright free en petite tronce. Pour pas me faire flag hein, par nos abrutis favoris qui sont... Ah, je ne les nommerai pas, on les nomme assez souvent, mais ils sont quand même bien abrutis. Salut à toi Jeff. Alors l'espace était bien dans ta bite géante. Bon, trêve de méchanceté, on va peut-être y aller. Ouais, ce serait une bonne nouvelle. En plus, je l'ai plus du tout dans les pattes, ce jeu. Alors, je vous avais promis pour la rentrée que je me referais tous les Need for Speed et que je vous ferais un dossier spécial. C'est en cours. C'est en cours, hein, toujours, comme l'amour. Pourquoi c'est fenêtré chez moi? Bon, c'est pas grave, tant que c'est pas fenêtré chez vous, c'est ce qui compte. Voici mon véhicule, et on va se trouver une petite mission, ce serait pas mal. Si j'arrive à me remettre dans le bain, où elle est la K-carte? Elle est là. Ça c'est la K-carte à papa, speedwall on s'en tape, on va se faire une petite course, si on peut. Ce serait sympa. Hop hop. Allez, on va là-bas, puis je vais essayer de me remettre la voiture dans les mains, parce que ça fait un moment que j'ai pas touché ces trucs. Et forcément, j'ai la pédale d'accélérateur qui me démange. Oui, je suis Dominique Cornetto et je vais faire un authentique carnage aujourd'hui. Comment ça, le son est pas assez fort? Ça va venir, ça va venir. Poussez-vous! C'est l'échauffement, hein, c'est l'échauffement. J'ai une voiture neuve, faut que je l'essaye, forcément. Comment ça, monsieur K, tu es mauvais? Il y a un petit peu de ça aussi, hein, on va pas dire le contraire. Je vous l'ai dit, il faut que je me remette les commandes dans les mains, l'inertie du véhicule, qui peut être particulière, le turbo. Le turbo. Et puis, des tas de choses. Hop, on aurait pu changer de couleur, les gars. Non, on changera pas de couleur pour la peine. Si je suis rapide, oui, je suis. Si je suis colère, pas encore, mais ça va venir. J'ai raté le virage, totalement, je crois. C'est ça de dire des conneries en permanence. Mi, on y retourne. En plus, il était gros, celui-là. Alors, au feu, tu tournes à gauche, hein, chouchou. Te gourre pas. Ah, c'est là. Ah, nom de Dieu. N'énervez pas Dominique Cornetto, sinon vous savez comment ça finit. Il sort, il fait sa sale gueule, et après il rentre voir sa famille pour faire un petit barbecue. Oui, c'est tout en famille, hein, avec 20 diesels. 20 diesels, ça en fait beaucoup quand même. Alors, comment allez-vous bien, vous, depuis le temps qu'on s'est pas revu? Bien? Pas au point de rouler en sens inverse sur une autoroute. Quel coquin, ce monsieur K. À moi, cette station-service. Noir. Oh, ça fait comme si j'avais des énormes... Vous les voyez, elles sont toutes velues. Oh, c'est magnifique. Ah, il y avait une voiture à récupérer ici, je l'ai fait. Ouais, on va le faire. Si c'est gratuit, c'est formé. Tu me la donnes? Tu me la donnes? On va pas l'échanger, hein. La Maserati, on la prendra plus tard, les mecs. Alors, je suis très content de revenir dans un jeu de voiture, et comme je vous l'ai dit en début de stream, je vous ai promis un gros dossier sur les Need for Speed. On va reprendre la licence du tout début, quand il ne s'appelait même pas Need for Speed. Et ça, je vous l'ai déjà dit dans un autre stream, son vrai nom, que c'était au début, mais maintenant c'est top secret, fallait écouter. Ou alors vous abonner à la chaîne YouTube, ça c'est une autre idée, hein. C'est vous qui voyez. Vous voyez? J'ai un peu touché là, je crois, mais ça va passer. Tout va passer. Everything gonna be right. Bleu, c'est pour les têtes de... Oh, ça rime avec bleu, c'est mignon, regardez. Comment on déclenche le... En faisant vroom vroom? Attends, deux secondes. Ouais, en faisant vroom vroom. Elle vous plaît, la playlist? Très bien. Bah, j'ai trouvé que ça pour avoir un rythme assez speed qui corresponde à un jeu de voiture. Vous me voyez? Et puis, vous me voyez pas, mais je gigote en même temps. Voilà les Dalton. Non, voilà moi. Alors des énervés, oui. Il va falloir que je me laisse pas faire. Le circuit, est-ce que je le connais? Non. Est-ce que j'ai une map? Bouh. Si, elle arrive. La voilà. C'est pas trop tôt. Vous me prévenez les mecs quand ça tourne, hein? Non, mais faites pas vos yinches. Je débute, moi. Je débute, là.
I'm a new kid on the block. Non, ça se dit pas, ça c'est dégueulasse. Pousse-toi, je passe gros. Ah, ta mère, elle vote KDRT. Ah, c'est dans un film très connu, ça. Avec un nom de voiture, d'ailleurs. Je vous laisse retrouver. Les vieux ont la référence, hein, je vois. Oui. J'aime bien les vieux. C'est bizarre, d'ailleurs. C'est peut-être une tendance, allez savoir. Hop, 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 gauche. Non, l'autre gauche, celui-là. Ouais. Fume-moi ces têtes de... Monsieur qui arrive, tremblé, misérable ver de terre. Et oui, mon curux, ça va être inéluctablement douloureux pour votre petite boule. Hop, 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 on tourne là. Ah, nos amis à Kepi, qui viennent de me ratatiner la gueule et je me suis fait double ratatiner. Si ça, c'est pas dégueulasse. Momo, alors, je crois qu'on a des takedowns. Ça marche, on va voir ça tout de suite. Attention. Pousse-toi, toi. Je crois que lui, ça va pas être mon pote jusqu'à la fin. 8ème, c'est pas une bonne position, je trouve. Alors, vous regarderez dans le Kama Sutra, mais de ce que je me rappelle, 8ème, c'est assez gazier hein, comme position. Ouh, il y en a un qui s'est bien mangé un truc, là. J'aurais pu passer à l'intérieur, mais je suis un gros timide, hein, vous le savez bien. Et je suis en plein échauffement. Dit-il. Checkpoint. Je vais être minable sur cette course, je sens. Si ça frise la déprime, ouais, pas loin. Hop, hop. Avance. C'est quoi ce caisse là? On va se faire du takedown. C'est quoi en face? Merde. Je regardais au loin, moi. J'ai pas vu ce pylône qui était énorme et. Qui est sorti comme ça de nulle part. Vous êtes témoin. C'est les lumières qui clignotent, moi ça me fascine, je suis comme les animaux. Donc je reviens à mon sujet initial, je vous prépare toujours ce gros dossier, Need for Speed. Il va être super, il va être génial, il va tenir en plusieurs émissions parce que il y a beaucoup à dire. Vous allez voir que, bah, mine de rien, il y a eu des volumes d'anthologie concernant cette licence qu'on adore tous. Il y a eu des volumes de merde aussi, hein, faut pas être dans le fanboyisme total. Hop, hop, reviens gros. Hop, ce ratage, le 90, je l'ai complètement merdagé. Et de mes souvenirs, ce Most Wanted était pas dégueulasse. Hein. On est bien dans Most Wanted, je dis pas de conneries. Non, parce que je commence à les confondre. Non, Payback, c'est l'autre. On fera peut-être un Payback après si vous êtes sage. Ou si je suis trop mauvais dans Most Wanted. Pousse-toi, toi. C'est ma route. En ski de tabernacle. Si je vais parler souvent canadien, probable. Parce que je vous dirai pourquoi après. J'ai un grand secret à avouer. Il y a combien de tours? J'ai pas fait gaffe. Ça raccourcit à gauche? Non, ça rallongit. Ça passe. Ça passe plus là. J'ai fait m'étouffer avec ma... Allez, fume. Qu'est-ce qu'il raconte dans sa radio, là? C'est n'importe quoi. Checkpoint, go. Charge-moi ce turbo, nom de Zeus. Pousse-toi, toi. Avec ton endive à roulette, là. On y croit. Arrivé, third. Third is not last. That's cool. J'ai déverrouillé quoi? Un autocollant sûrement. Ça va la Zig, c'est toujours bien. Remonter le son du jeu. Ouais, c'est pas con. Attention, il y a du monde. Wow. On y va. J'ai pas envie de me faire serrer là, les mecs. Oh, Askidon. Chopage par les condés en prime. Non. Oh, il m'a poussé, ça c'est sympa. On y va, go. Toi qui t'es énervé, toi, bouge pas. Je vais te faire un tour de mon cru. Oui, les fameux tours de cru de Monsieur K. C'est quelque chose. Faut les voir au moins une fois dans sa vie. Est-ce que je vous ai dit que je vous ai un dossier Need for Speed hors d'atteinte déjà? Mais c'est lamentable! J'en veux pas. Allez, à moi cette caisse. Non, on va pas l'échanger tout de suite, hein. Ça sert à rien. Donc oui, le gros dossier Need for Speed, comme je le disais, va tenir en plusieurs épisodes, hein, parce qu'il y a énormément de choses à dire. Alors, je me documente actuellement pour vous faire un truc qui a un petit peu de la gueule. D'ailleurs, n'hésitez pas à me sponsoriser via le Tipeee. Oui, j'ai l'air d'insister, non.
Mais c'est... comment dire? C'est nécessaire. Oui, je passe beaucoup, beaucoup d'heures à essayer de vous faire des émissions spéciales qui ont un petit peu plus de gueule que bah, les conneries improvisées en stream. J'ai cru qu'il y avait un bonus par là. Et du coup, on va se balader sur la plage, hein, le temps de discuter un peu tranquille. Attention. Et du coup, bah, ce temps-là, c'est quand même bien de le financer un peu, les gars. Donc si vous pouvez, si vous avez les moyens, bah, vous mettez pas dans la drope, hein, surtout, c'est pas le but. Mais si vous avez les moyens, vous avez à 2 euros qui traînent. C'est le prix d'un café, hein, les mecs. Au lieu de balancer ça dans un café qui va vous énerver encore plus que moi quand j'ai pas fumé, regardez dans l'état où je suis, balancez-les dans l'émission, ça peut être sympa, on va passer là, c'est cool. Je crois qu'il y a un jump à faire là-bas, faudrait peut-être pas que je m'arrête. Sinon le jump va foirer et voilà, vous allez pouvoir vous foutre de ma gueule encore. Ce qui est pas du tout le but recherché. Attention, faut freiner madame. Hop hop. Donc 2 euros sur le Tipeee. En plus, ça vous permet d'accéder à des avant-premières. Oui, souvent je file pour les tipeurs les liens sur les prochaines émissions à paraître, bien avant leur publication sur la chaîne YouTube. Ce qui fait qu'ils sont tout contents, ils peuvent se régaler la pupille et les oreilles de mes conneries d'ailleurs. Et découvrir bah, en avant-première des jeux, parfois. Il y a aussi des... Alors c'est plus rare, hein, parce que j'ai pas les fonds vraiment. Et puis j'ai pas tant de soutien des développeurs. Mais quand je peux, je vous fais gagner des jeux. Eh oui. Alors c'est des tirages au sort, hein. On se la fait random stylez, histoire que personne soit avantagé par rapport à un autre. Tout le monde a sa chance. C'est du tirage à la con. Hein. Et non, il n'est pas cheaté. Je fais pas gagner les potes. Bien qu'il y ait des potes qui soutiennent le Tipeee. Et je leur fais plein de bisous d'ailleurs. Ouais, chopez-moi si tu peux. On se tutoie, hein, t'es un flic. Est-ce que je me trouve une course? Ce serait pas mal, hein. Hors d'atteinte. Ouais, ce serait bien de trouver une course. Alors il y a une autre utilité à ce stream gratuit, bonus pour tout le monde, c'est que je vais pouvoir casser vous les nains. Je vais pouvoir tester mon encodage aussi, c'est important. Jaune, mais c'est dégueulasse. Ça fait vraiment bagnole de kéké quoi. Carte. Où c'est qu'on pourrait se balader pour un... Voilà ça. Course, circuit. Pff, j'achète moi. Allez go. Je vais pas faire ça en jaune, hein, c'est pas possible, je le dis tout de suite. Donc j'étais en train de dire quoi, moi? Oui, merci, merci aux gens qui soutiennent l'émission. Merci à toi, espèce de fou, qui a récemment mis un montant complètement indécent pour soutenir l'émission. J'étais à deux doigts de t'engueuler. Hein. J'espère que t'as bien reçu la clé du jeu que je t'ai envoyé. Et c'était vraiment un grand plaisir de te le partager. En plus, ce jeu est vraiment sympa. Genre, j'aurais bien aimé le faire moi, quoi. J'en ai vu que les reviews, j'ai pas joué. Mais il est chouette. C'est les amis de Hungry Demon Studio en Suède qui te l'offrent. Oui, ce sont des amis. Les Hungry Demons, c'est une autre petite famille de The Big Game Husky. J'essaie de me garer comme il faut pour pas faire le dégueu. J'en ai un qui me pousse. Vas-y, croyez-moi. On y go. Alors, course, circuit, machin. Tu me fais voir la gueule du circuit ou on y va au pif? Au pif? Ok. J'ai pas augmenté ma voiture. Tiens, je vais vous parler des Hungry Demons si la course est pas trop compliquée. Sinon, je vais me contenter de vous dire des conneries, je vous en parlerai après. Il y a une petite actu hein, sur les développements en cours, enfin le développement en cours, puisque c'est Gory Cuddly Carnage dont il s'occupe. Et j'ai des petites news à vous donner, des petits backstage. Pousse, petit vent, pousse. Mip mip. Ça tourne où? Vous me prévenez les mecs hein, quand ça tourne, déconnez pas. Parce que là je suis un peu lancé, hein, beaucoup. Elle est ouverte cette route encore. Oh, ça va être un carnage. Le premier qui se mange une voiture évite de la jeter sur les collègues. Hein, parce que it can be very 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 not agreeable. J'avais prévenu, hein, les gens n'écoutent rien. Mais alors rien du tout, pousse-toi. J'ai du turbo, je vais en profiter. Comme un pavot. Je cherchais la route, là, je me demandais où elle était. Hop, 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 qu'il est pas content. Monsieur, si tu veux que... Oh, purée, j'ai failli, là. Pousse-toi. Take down? Yes! Ça, c'est bon, ça. Alors, les take down, ça recharge le turbo, hein, c'est le truc classique. Je crois que ça tourne à... Non, ça tourne pas, c'est bon. Cool.
Checkpoint, go. Il y a plusieurs tours, deux tours. Ok, il faut que je tienne deux tours. Donc faut que j'évite de me crasher pendant deux tours. C'est surtout ça. Ah, crache pas. Covid, tout ça, déconne pas. Aïe, aïe, aïe. Oh putain, le croisement, je le sens pas, je le sens pas. Vous avez le karma? Merci. Je l'avais pas trop là, je serrais un peu les miches. On évite de passer en dessous. Ça ne va t'apporter que de la tristesse. Et très peu d'amis en fait. Hop hop hop, monsieur! Non! Non! Le mec est lancé! Le mec en pleine gloire! Je suis passé instantanément en quatrième position à cause de cette tête de... J'arrive. Et j'en ai derrière qui me pète le dos. Vous y croyez les gars? Oui, je vais lâcher ma colère. Je vous rappelle que je suis Dominique Cornetto. Je suis rapide et énervé. Ce sont des choses qui arrivent. Vas-y Dominique, donne-moi ta toute grande puissance par le crâne ancestral de Dominique. Et comment ça, je mélange des trucs, on s'en bat les... Fume-le lui. Je vais te défoncer ton petit boule. Viens là. Diche. Attends, j'ai pas fini. Là, j'étais juste commencé, c'était l'appetizer. Comme disent les... Ah voilà, petit con. Allez, fume. C'est le deuxième tour. Garde-le l'autre. Garde-le. Seriously, t'es sérieux, mec? Non. C'est moi qui la gagne, celle-là. C'est ma partie. J'ai plus de turbo, bordel. S'il me repasse devant, je vais être hystéro. S'il y a un mec qui traverse la route pile au moment où je... Je vais me taire. Je vois plus que ça à faire. Me taire. Je suis rapide et pas content. Et je disais donc, par le pouvoir du crâne ancestral de Dominique Cornetto. Laissez-moi gagner cette course. Laissez-moi arriver, Prums. Et laissez-moi éviter de me prendre un muret, comme j'ai fait tout à l'heure. Yes. Ouh, yes. Je pourrais presque faire le Kalima Choptidé de Indiana Jones, avec le cœur dans la main. Tout. Améliore vitesse de pointe. Yes. Vitesse max, yes. La résistance, yes. En avant mes petits calamars. Pourquoi j'ai dit petit calamar? Vous ne voulez pas le savoir. On va se trouver une petite course. Je vais me garer proprement, sagement. Et on se trouve une course. Hello, is it me your recherchid? Yes, probably. On l'a faite celle-là? Ouais, mais j'étais mauvais. Pff, on va en faire une autre. Embuscade. Je sais pas trop ce que c'est, mais... On aura l'info assez tôt, hein, j'imagine. On y va en roulant, hein. Ça me laisse le temps de discuter un peu avec vous. Et de revenir sur ce que j'étais en train de vous dire, l'actu du Hungry Demon Studio. Oui, nos amis suédois, à qui j'adresse un grand Edge. Oui, Edge, ça veut dire salut en suédois. Petit à petit, j'apprends les mots, le vocabulaire. Je vais pas tarder à devenir bon. Et donc, au sujet de leur jeu en développement, qui sortira pas avant longtemps, puisque les licornes... Oui, il y a des licornes. Elles l'ont toujours en otage. Eh bien, Gori est en train de passer en phase bêta. Oui, il est en alpha. Hein, la démo que vous aviez en accès sur... Fred. La démo que vous aviez en accès sur Steam, c'est une alpha. D'ailleurs, vous l'avez toujours. Profitez-en, puisque... je sais pas combien de temps elle va rester, mais il y a une bêta maintenant qui tourne. Oui, une bêta avec pas mal d'améliorations. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme amélioration? Notamment sur ce qui remplit les niveaux. C'est beaucoup plus rempli qu'avant, vous allez le constater très rapidement quand vous allez tomber sur une éventuelle démo, je vous l'espère. Qu'est-ce que vous allez constater d'autre? De nouveaux ennemis? Oui, il y a de nouveaux ennemis, y compris de nouveaux boss qui sont plus incroyables les uns que les autres et dont je ne vais absolument pas vous parler puisque j'ai pas envie de vous spoiler le truc. Yeehaw! Mais croyez-moi, il y a des nouveaux boss dans Gori que du carnage qui vont vous faire tourner la tête, qui vont vous faire halluciner totalement. Est-ce que je suis au bon endroit? Non, c'est en bas, madame. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des nouveaux coups pour Gori. Oui, vous savez que Gori découpe ses ennemis avec son skate à intelligence augmentée. Et du coup, il y a des nouveaux coups qui sont apparus et il y a une nouvelle option dont je vais vous parler après. Oh, comment je maintiens l'art du tease? On y va. Châssis léger, mais oui, je vais gagner. Faut faire quoi?
Embuscade. Je me rappelle plus du tout. Ah, je crois qu'il faut se barrer. Ok. Donc je suis un manifestant et j'ai apparemment des soucis avec la maréchaussée. Il faut donc que je m'enfuie de... Ah, pouf, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Mais il faut pas voler comme ça. Et donc je vais réinvoquer Vin Diesel, car je suis son cascadeur officiel, Michel Mélange. Ben dites donc, il pleut des véhicules de police aujourd'hui, je crois. Onigo, je suis chaud là. Je vais pas démarrer en marche arrière, les mecs, ça se fait pas. Hippie. Eh les mecs en bleu, vous êtes tous des charlots, va. Pourquoi votre voiture a une plus grosse proportion que la mienne? Pousse-toi, toi. Non, c'est moi qui passe. Prums. Mip mip. Ta 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 ta. Oh là là, le con, il veut pas me lâcher, là. Attention, le mur! C'était limite, hein. Alors, on va passer sur la voie express, ça sera mieux. J'aurai plus de place pour laisser mes chevaux s'exprimer, cataclope. Et Je suis rapide, oui, je suis rapide. Je suis pas content, je suis pas content. Je suis Dominique Cornetto. Je les ai déjà semés, c'est pas possible. Non, en fait, pas ça, les mecs. Est-ce que je passe là? Non, c'est une mauvaise idée. Oui, cette voiture n'est pas du tout adaptée pour le mode 4x4. On va éviter les conneries. J'en fais déjà assez. Je me traîne là ou c'est moi? Je passe où là, les mecs? Pousse-toi! Ah bah, j'ai pas eu le temps de vraiment choisir qui je bousculais. On y go! Hors d'atteinte, c'est fantastique. Regardez-moi ça, je passe même sur la voie où les mecs roulent dans le mauvais sens. C'est pas moi, c'est eux, vous êtes bien d'accord. Les mecs, vous êtes dans le mauvais sens. Non mais je vous le dis parce que je suis sympa, mais après je le répéterai pas. Hop, 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 hop. Ça y est, j'ai déjà réussi. À hausse du niveau d'alerte, on va rigoler un peu. Pip, pip. Pardon, je passe. Allez, booste un peu, booste un peu, booste un peu. Booste ton corps. C'est bon. Ah, il y a une nouveauté qui est particulièrement chouette dans Gorilla de l'Incarnage. Je reprends où je m'étais arrêté. À vous teaser sur ce proto de jeu qui nous... Enfin, moi qui me fait énormément envie. Pensez-vous. Un chat de l'espace qui tatane tout le monde avec un skate découpeur. C'est que du bonheur. C'est pour moi ça? Cool, merci. Go. Je peux équiper? Ah super, j'aime quand tout se passe bien. Quand un flon se démoule parfaitement. Bip bip, on tourne. Oh, pas trop quand même, doucement. Et donc je disais à propos de Gory, notre chat de l'espace avec son skate découpeur. Il y a une nouveauté non négligeable qui va pas mal plaire aux gens. Et qui a été suggérée par beaucoup de monde, y compris moi. J'allais dire en particulier moi. Je vais pas m'attribuer quand même l'idée du truc, mais voilà, c'est... J'avais suggéré au studio de mettre une touche qui nous permettrait de loquer les ennemis. Parce que vous remarquerez, si vous essayez la démo, que ça devient très rapidement le bordel sur l'écran. Et qu'on a du mal à choisir quel ennemi on va défoncer réellement. Donc je leur ai suggéré quand même d'ajouter une touche lock, chose qu'ils ont faite. Et du coup, désormais, dans la bêta, il y a une touche pour verrouiller les ennemis, et c'est vachement agréable. Alors, vous affolez pas, hein, je rappelle, vous n'avez accès que à la version alpha pour l'instant, mais elle est dispo sur Steam, profitez-en. Ça leur fera super plaisir d'avoir des gens toujours plus nombreux qui essayent leur jeu. Et puis, n'hésitez pas à aller sur le Discord et poser votre feedback, c'est fait pour. Alors, c'est tout sur la page Steam, hein, vous avez toutes les infos. Je vais pas vous dire ça en même temps que je conduis, je peux pas regarder le navigateur en même temps. Et on va essayer de se trouver une autre course, c'est pas bon ça. Attention, attention, ça tourne. La peinture, tout ça. Bah oui, celle-ci. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre la commu Discord de Hungry Demon Studio. Vous verrez, c'est des gens super cool, il y a une très très belle ambiance. Et puis vous pourrez choper plein de petites infos sur le jeu, plein d'infos sur la Suède, plein d'infos sur plein de trucs intéressants en fait. Oui, il n'y a pas que le développement dans la vie. Qu'est-ce qu'il y a au milieu ici? On me propose quelque chose, je crois. Un speedwall, mais c'est naze.
Qu'est-ce que tu veux que j'en foute? On va pas se faire ça, les mecs. On vaut mieux que ça. Course. Course, sprint, cannonball run. Je veux. On y va. J'ai le droit de tirer tout droit. On va tirer tout droit, les gars. Moi, on me propose. Je vais pas m'en tenir. Go! Crunch. Alors, je vais faire un passage informatif quand même un petit peu. Je vais où là? Là-bas, ouais. Non, là-bas. C'est l'autre côté que tu j'aille. C'est juste pour me faire quoi? Pour m'ennuyer? C'est pas très gentil. Oh, les touristes. Alors, on va faire la petite séquence éducative quand même dans TBG. Pour ce live. Oui, si vous êtes qui en vacances, vous rentrez de vacances. Pensez à vous faire tester, hein, c'est pas inutile. Parce que vous avez vu les vaccins qu'on a. Oui, c'est des vaccins dosettes, j'appelle ça. C'est-à-dire, ils sont décoratifs, surtout. Puis ils ont les parfums de la saison, mais ils sont pas vraiment efficaces. Donc continuez de porter le masque, malgré les conneries qu'on vous raconte à droite et à gauche, c'est super important. J'ai envie de vous avoir encore comme viewer à la rentrée. Hein, ça me ferait plaisir, puis ça ferait plaisir sûrement à votre famille aussi. Déconnez pas avec ça. Donc, quoi qu'on vous raconte... Le masque, c'est quand même ce qui est encore plus efficace. Donc, lieu fermé, lieu masqué. Si vous retenez ça, c'est nickel. Bon, sauf au resto, au bar, c'est un peu la merde. Et si c'est pas des endroits où on a besoin de la bouche, on peut parler à travers, hein. C'est magnifique. Donc, continuez de porter ces fucking masques. Et puis ça donne un air qui fait revenir en vogue un groupe qui fait des balles masquées. Oui, oui. Fallait que je la case absolument celle-là. En tout cas, déconnez pas. Hein. J'ai envie de vous avoir comme viewer à la rentrée, c'est important. Il faut que je monte mes stats. Et si vous cannez, ça me fera un viewer en moins. Et vu que j'en ai pas beaucoup, ça va se voir. Alors je compte sur vous. Déconnez pas, vraiment. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah bah, faites-vous vacciner. C'est con à dire, mais le vaccin est pas magique. Le vaccin fonctionne pas à 110%. Mais... Et ça, écoutez bien avec vos grandes oreilles, il réduit les chances. Et si tous ensemble, on se met à réduire les chances de contaminer son voisin et d'être porteur du truc, bien qu'on puisse être vacciné et porteur de cette saloperie, hein, c'est pour ça qu'il faut le masque encore, on réduit sa propagation au truc. Et ça, c'est vachement important. Donc, dans la mesure du possible, faites-vous vacciner. Écoutez pas trop les conneries qu'on peut entendre à droite et à gauche, ou à gauche et à droite, ou au milieu même des fois. Oui, il y a des petits effets secondaires selon les individus. Mais c'est très très variable. Il y en a, ça peut leur faire comme une grosse angine pendant 2 jours. Il y en a d'autres, ça leur fait juste comme s'ils s'étaient pris un coup de poing dans l'épaule par un pote. Ou un ennemi, hein, ça marche aussi. Il y en a d'autres, ça peut être plus compliqué. C'est des cas très rares. Donc, sérieux, pour vous. Pour votre entourage, pour vos parents, pour vos amis, pour tous les gens que vous aimez, vaccinez-vous. Il est là le truc. On va pas résorber le problème en un seul coup, mais on va progresser. On va vraiment progresser. Et on va réduire la diffusion de cette saloperie. Tous ensemble, bleu. Allez, on va se la faire celle-là, hein, les mecs. Donc voilà, c'était le petit quart d'heure éducatif où j'étais un peu sérieux. Promis, j'arrête. Je serai plus jamais sérieux jusqu'à la fin de ce stream. Me. Je la veux, cette cobra. Elle va être mienne. Ah oui, elle va être mienne. Regardez, elle sort d'une boule, d'une métasphère. Ouf, bork. Je la veux. Ça aurait pu marcher. Ouais, tourne. Putain, j'ai fait de la... Non. Mec, j'ai une bagnole à rattraper, tu me fais pas ça. Ouh, le virage qu'il y a là. Ouh, le virage méchant. C'est très mal engagé, mais je vous rappelle qu'on est sur un jeu Electronic Arts. De ces fameux jeux qui ont le bon goût de vous attendre quand vous êtes une burne. Et
de vous propulser les ennuis, étrangement d'une manière rattrapée, quand tout se passe trop bien. Je vois pas où on va, je vois pas où on va les mecs. Les mecs, laissez-moi passer. Aïe, je vais où? J'ai oublié de tourner, oui ça arrive. C'est très mal engagé. C'est super mal engagé cette ce truc. Oui, je suis deuxième, ça je le savais, j'ai pas eu besoin de ton truc. On y va, go. Je passe où dans le merdier là-bas? Ici. Yatta. Et là. Un jeu ne sais quoi. Pousse-toi, toi. Je la veux. Je la veux, cette caisse. Je l'aurai anyway. Gaming way, ça dépend des gens, là. J'ai plus de turbo, ça faut que j'en ai conscience. Ah putain, j'ai raté la sortie! T'y crois, toi? Checkpoint manqué. Checkpoint dans quoi? Dans mon boule? Oh, la haine! La haine! L'important, c'est pas... C'est pas la chute, c'est l'arrivée. Et alors, l'arrivée, je vais pas l'avoir, je vous le dis. Je me suis fait ken! Oh, je n'aurai jamais cette cobra. Vie de... grenier. Allez, fume. Balance. Avance. On va passer par au-dessus. Par au-dessus quoi? Vous voulez pas le savoir? Si, vous allez le savoir tout de suite, regardez. On va passer par au-dessus. Yeah. Oh putain. Ah! Il m'a fait un takedown par au-dessus. Ça méritera un replay, ça. Quicheur maudit. J'aurais voulu le takedown là pour recharger le turbo, mais. Pff. My bad. On y go. Attention, la herse. Oui, c'est une herse. Heureusement qu'elle clignote, hein, parce que j'aurais été vraiment dedans. Fume. Il est où mon checkpoint? C'est là? Je vais où les mecs? Putain, mais mettez des panneaux plus clairs, l'autre il m'est repassé devant comme une balle. Je vais l'avoir mal. Je vais l'avoir très mal. Il suffirait que j'arrête de parler? Non, ça suffira pas les gars. Quel gus? De qui il parle? Fume. Je l'ai poussé sur la ligne d'arrivée, vous y croyez, sérieux les gars? Oui, vous avez entendu Monsieur Casse dégonfler. Je suis la déception ultime. Je vais me cacher dans un coin qu'on me voit plus jamais. Non, casse-toi, toi. Je veux plus faire la course, j'en ai marre. Vous m'avez tous dégoûté. Vous savez de quoi j'ai envie? Un petit thé, hein? Un petit thé. On se fait un petit thé? Vous n'avez aucun fun, les mecs. Je me barre. Bon, en tout cas, je vous retrouve ce soir pour le shmup du mercredi. Et puis lundi pour une nouvelle émission. Ah, je peux dire ce que c'est? Ouais, allez. Vous allez être contents. Lundi, je vous emmène à nouveau dans Omno. Le très joli Omno. Le très paisible Omno qui est aux antipodes de ce type de jeu. Et qui vous fera le plus grand bien. Oui, c'est un jeu tout câlin. Vous allez voir. Et vous allez adorer cette deuxième partie que je vais vous faire découvrir. Allez, bazinga, je me casse. Dans le sens littéraire du terme. Ouais, on va faire ça. Je vais me casser vraiment l'entier, quoi. Oh, putain, ça va être la merde. Pupup. J'arriverai jamais à me débarrasser de tes crétins. Je veux terminer le stream, les mecs. Laissez-moi arrêter. Calmement. Gentiment. Regardez-moi ça. Il y en a de partout, des mecs. Hop, 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 tourne. On est bien, là. Et voilà. Tourne encore. Plus tu tournes, moins t'en vois. Mieux tu te portes.
Moi qui voulais un truc zen pour finir le stream, je suis dégoûté. Cassez vous. Le suspect il est parti, il est plus là. A pu. Regarde, il change de couleur. Hop. Qui c'est? Who's that girl? Je crois que je les ai aux fesses là quand même les mecs. S'ils m'attendent au péage, ça va être ma fête. Non, ça va. On s'arrête par là, les gars. Non, il y en a encore un. Oh, purée, mais ça s'arrêtera jamais. Oh, je vais couper le stream en pleine course, je crois. Il n'y a plus que ça à faire. Ils veulent pas me lâcher, là. C'est pire qu'une ex qui se souviendrait que vous lui devez de l'argent. Comment ça, ça sent le vécu? Pas du tout. C'est plutôt elle qui me donne de l'argent, en général. Difficile de streamer de nos jours, je vous le dis en vérité. Hop, je passe là, tiens. Hein? On l'a pas fait celui-là? Oh, mais j'en ai rien aux fesses encore. Oh non, de Dieu, ça ne finira jamais. J'essaye, hein. Je tombe des trucs qui n'ont aucun sens, mais voilà. Sur un malentendu, il y a moyen que. Hop, oh, putain, c'est là! On va repartir dans l'autre sens, ça aussi ça les perturbe. Casse-toi! J'ai changé de couleur, y'a plus que ça à faire. Non, je vais là-bas. Non, je vais là. Putain, je fais Nawak. C'est en faisant Nawak qu'on devient Vin Diesel. Vous enregistrez ce dicton de Monsieur K qui restera éternel. Je vais où? Je sais pas du tout sur la map où je vais. Attends, je vais me calmer un peu, on va regarder. Tranquille. Zib, on ralentit. Allez. Je vais le dire. Playlist. Playlist. Bouton d'abonnement. Et prenez soin de vous surtout. A bientôt les amaches. Je suis bien là, je vais me garer là. Je crois que j'ai un petit truc, un petit sandwich à bouffer dans la boîte à gants.